Bonjour, j'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, parce que oui, aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu d'horreur choisi aux petits oignons tout frais comme ça, qui frétillent comme ça sur la poêle, qui s'appelle Urbex. Voilà, c'est un petit jeu d'horreur gratuit sur le site itch.io, je mettrai le lien dans la description si vous le voulez. Je sais pas trop à quoi m'attendre. 1.0, d'accord, ok. Je sais pas s'il y a un monstre, je sais pas s'il y a des screamers, je sais pas si le jeu est long, on verra ça, on va découvrir ça. J'ai vu ce jeu, je me suis dit, allez, c'est de l'urbex, ça peut être plutôt sympa. Et puis voilà quoi, hein. Écoutez, il faut bien à un moment donné qu'on se lance dans l'urbex, que ça soit dans la vraie vie ou même dans le jeu vidéo, voilà. Yes. Oh putain. Je sais pas trop ce que j'ai récupéré, j'ai pas d'inventaire. On dirait un... je sais pas, une note. Comme style à la Slender. Parce que quand je l'ai pris, quand je l'ai ramassé, il y a eu un son un petit peu effrayant. Ma flashlight reste allumée apparemment. Ici c'est fermé, très bien. Bon, apparemment il y a des objets à récupérer, c'est super. Peut-être que c'était un fusible. Je sais pas, ça ressemblait... ouais, ça ressemblait un petit peu à un fusible, à une espèce de parchemin. Je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Ok, alors apparemment on est dans un immeuble, une tour. Putain, on est super haut aussi apparemment. Putain, les toiles d'araignée et tout, j'aime pas ça. Bon. Oh, oh les chiens. Ah, oh, ça m'a fait trop peur. Ok, ok, qu'est-ce que c'est que ça? Une clé. Super. J'ai une clé. Bah oui, il y avait une porte fermée tout à l'heure. Super, on va y aller. On va l'ouvrir. Et on va se casser d'ici, bordel. Allez, où cette porte? Elle est là. Elle est là-bas, la petite porte. La puerta, la puerta rica. Ok, c'est plutôt cool. Il n'y a rien si je retourne en arrière. Il n'y a rien. Très bien. Bonjour. Putain, ça fait bien peur tout ça. C'est super son, je sais pas trop à quoi m'attendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok, c'est... c'était un fusible que j'avais ramassé. Bah c'est super, écoutez. Voilà, est-ce que je peux ouvrir ce casier? Je ne peux pas l'ouvrir. Donc apparemment, je peux juste interagir avec le clic gauche de la souris. C'est super. Eux, ça me sert à rien. Et puis voilà. Ok. J'ai ouvert la porte. J'ai pas envie de me retourner. Je m'en bats les steaks. Alors là, mon gars... si t'as cru. Je me retourne. Ok, 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 ok. Oh là là. Je ne peux pas courir dans ce jeu. Donc je pense pas qu'il y aura de la course-poursuite. Soit on va mourir bêtement. Soit... soit quoi. Ok, il n'y a rien d'intéressant. À part des boîtes de conserve ouvertes et vides et apparemment très propres. Le mec qui fait attention à ça, quoi. J'hallucine. Bonjour. Y a-t-il un monstre caché ici? Y a-t-il des choses encore à ramasser et à fouiller? Regardez, à l'intérieur, c'est en bois. Bizarre. Je sais pas comment ça a été fait, ce jeu-là, mais... très bizarre, apparemment. Ok. Je crois que tu me fais peur, mec. Oh non, il faut que je ramasse encore un fusible. Oh putain, encore un fusible. On va bien se marrer en recherchant ce putain de fusible. Je pense qu'il se trouve peut-être sur une étagère, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Peut-être dans un casier, je sais pas si je peux les ouvrir. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce bruit bizarre? Ok. Je sais pas si c'est mon jeu qui a bugué ou si c'est moi qui ai mal fait un certain truc, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Tout à l'heure, on a entendu quelque chose de tomber ou se casser ou je sais pas trop quoi. C'était ouvert, ça? Je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Bonjour. On n'est jamais venu ici, ici. Ça s'ouvre pas, ça? Non, ça ne s'ouvre pas. D'accord, très bien, ok. Ok, 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 je ferme ma gueule, c'est bon. Bonjour, est-ce qu'il faut que je retourne en arrière? Est-ce qu'on a besoin de retourner en... ok. Il y avait encore un mannequin. Mais qu'est-ce qu'il y a avec ces jeux de mannequins, là? Dans tous les jeux que je réalise, il y a des putains de mannequins. Alors écoutez. Ah là, je suis au début du jeu, là. Mais il est passé où? Ok, super. Peut-être que c'était fait exprès, je pense. Ah, peut-être qu'il faut que je récupère l'autre fusible, du coup. Que j'aille le reprendre et que j'aille le mettre à la... ah oui, mais non, mais la porte, elle va se refermer, sûrement. Bonjour.
Écoutez, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est peut-être ça qui est tombé tout à l'heure, hein, vu qu'on n'arrivait pas à l'ouvrir. Super, on a récupéré le deuxième fusil, donc c'est plutôt cool. Allez, la musique. La musique qui s'excite. Oh putain, mais non, mes frères. Bonjour. Bon, c'est des mannequins, ça va, c'est cool. Ça fait pas peur un mannequin, ça surprend, certes, ça surprend. Mais ça fait pas aussi peur que si c'était un monstre avec la gueule en sang, le visage bien déformé, le son me déchire les oreilles, bordel à cul. Ok. Ok, bah pourquoi pas, super. Super quoi? Ah, faut que j'aille par là, d'accord. On peut serrer la main? Non? Bah très bien, ok. Ok, il y a un mannequin qui est juste à côté de l'interrupteur, comme par hasard, il va me sauter dessus, c'est ça? Me saute pas dessus, toi, hein. T'es qu'un vulgaire man... Mais si, il y a un monstre, c'est pas possible. Vous avez entendu ce bruit? Eh, moi, on me prend pas pour un con, hein. À un moment donné, ils vont sûrement me demander de courir grâce à la touche Shift. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop ça. Oh putain, comme il fait noir. Oh, oh putain, cinématique. Bonjour. Ouais, cours, cours, cours. Mais mec, tu veux courir où? Il y a juste la fenêtre devant toi. Il va pas... Il y a une main qui m'a traversé le corps. La main d'un mannequin. End! Sérieux, mon gars? Ok. Bah pourquoi pas. Et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Elle a été super courte, ça c'est vrai. Je sais pas s'il y aura vraiment de condensé dans cette vidéo. Mais le jeu était plutôt mignon. Voilà, c'était un petit jeu d'horreur bien sympatoche. Histoire de combler un petit peu le vide qu'il y a en ce moment sur ma chaîne. Et en ce moment, je suis assez actif. Enfin, je trouve personnellement. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura bien fait plaisir, j'espère que vous allez mettre un petit pouce bleu, ça serait super sympa de votre part, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Dans la description, je mettrai un lien d'une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Stream Entre Potes, on vient d'atteindre les 800 abonnés en l'espace de 2 mois et demi, c'est super top, c'est génial, c'est du jamais vu quoi. Et donc un gros merci à vous. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, je vous dis ciao ciao mes amis. Et puis à plus.